Alors qu'elle se lance à la recherche d'un panier ancien sur les terres amérindiennes, Lynn V. Andrews, collectionneuse d'art primitif, ne se doute pas que sa vie va être bouleversée. Bonjour, bah écoutez, on va rester un petit peu encore sur le féminin avec ce livre qui est là un roman et qui en même temps permet de prendre conscience de ce que c'est de passer du faire à être. Femme chamane, donc Lynn V. Andrews raconte cette histoire donc où elle est comment, collectionneuse d'art primitif, donc elle est très dans le côté guerrier, dans le côté obtenir les choses, avoir, faire, etc. Et du coup, bah, pour acquérir ce fameux panier dont elle rêve, qu'elle a vu, eh bien, elle va quitter ce mode de faire avoir, puisqu'évidemment, les deux chamanes qui vont l'initier vont véritablement la faire tourner en bourrique pour arriver à un état d'être. Vaste sujet, vaste question. Et c'est vrai que cet état d'être, bah pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas été simple à acquérir au fur et à mesure de mon parcours, puisque j'étais, bah, comme elle, hein, comme l'auteur, comme l'héroïne de ce livre, très dans le faire, dans l'avoir, et être, bah, c'est pas évident, en fait. Au fur et à mesure du travail concret, pratique, d'appliquer, entre autres évidemment, la méditation pleine conscience dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos, de pratiquer la respiration, de pratiquer les accords toltèques. Alors je ne vous parle pas du livre, mais je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, vous pourrez les retrouver. Toutes ces choses-là qui vont permettre de cultiver une qualité d'être humain. Voilà, donc là, pur roman, alors évidemment qui permet de s'évader, de s'amuser, parce que évidemment les deux chamanes sont pleines d'humour, elles lui jouent des tours pas possibles. C'est un petit livre très très sympa que j'ai relu il n'y a pas longtemps justement, c'est pour ça aussi que j'ai eu l'idée de vous le partager. Voilà, on va clore ce chapitre féminin. Avant de passer justement sur d'autres livres qui sont arrivés à une époque où j'avais lu beaucoup de choses et en fait j'avais plus envie de lire. J'avais envie de rencontrer des personnes et de pouvoir bénéficier d'une transmission orale, d'une transmission d'humain à humain. Et c'est là en fait où j'ai fait connaissance de Yannick Alain. Lors d'une conférence, Yannick avec qui je suis restée en lien après sur Facebook, avec qui on a échangé. Et je vais vous parler justement d'un livre dont il a parlé en vidéo. Et c'est ce premier livre en fait qui m'a fait prendre un autre virage. Donc à bientôt dans cette prochaine vidéo.